super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Océane. C'est quoi ce dead que tu nous fais? Est-ce que ça va aujourd'hui, ma chérie? Et les petits copains? Mais ça, vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle... Recette. Tu ressembles à une chinoise, la minute. Une nouvelle recette. Et oui, nous avons fait une recette de quoi? De les gâteaux d'anniversaire de papa. Un gâteau d'anniversaire pour papa. Alors, nous allons faire un mille... Feuilles, voilà. Donc on va essayer de faire un millefeuille, mais ultra, ultra simple, ultra rapide. Parce qu'un millefeuille, normalement, c'est long à faire. Et là, on va essayer de faire une recette super, super simple. En fait, c'est une feuille et une autre feuille par-dessus? Pas tout à fait, non. Alors, ma louloute, est-ce que tu veux donner la liste des ingrédients? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura là, dans cette recette? Ben, il y aura du lait. C'est facile. Une dizaine d'œufs. T'as failli le mettre par terre. Ensuite, ma chérie, il y aura quoi? Il y a du chocolat. Du chocolat. Il y a de la farine. Il y a du sucre. Il manque un ingrédient aussi. Je crois que t'en as deux à côté de toi. De la paille feuilletée. Ah, c'est pas de la paille feuilletée, c'est de la pâte feuilletée. Voilà les amis. Et ensuite? Et le sucre. Alors ça, du côté des ustensiles, nous aurons besoin d'une marise ou d'une cuillère, enfin quelque chose pour tourner. Ça. Voilà. Et un fouet. Et un fouet. Pour tourner. En reste qu'on passe à la recette. Ben oui. Ben ouais. Ah ouais, hein, sinon on fête pas l'anniversaire de papa. Ah ben ouais, ce serait dommage. Ouais. Alors on passe à la recette, les amis. Oui. Les amis, pour commencer, nous allons faire, ben là, il y a besoin d'une crème pâtissière pour faire un millefeuille. Alors, ben qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On a oublié de dire du sucre vanillé. Et oui, on a oublié de vous dire aussi qu'il fallait un sachet de sucre vanillé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais je vais le verser dans la casserole. Voilà, donc on va verser ça dans la casserole pour faire notre crème pâtissière. Donc bah vas-y, bah verse. Et après tu vas faire quoi une fois que tu as versé ça dedans? Je sais pas. Bah on va pas le mettre à chauffer? Si. Ah bah si, on va le mettre à chauffer où? Au feu. Sur le feu. Et avec l'aide d'un... sur le feu avec l'aide d'un... D'un adulte, bon, il va me faire chauffer ça. Maintenant que le lait est en train de chauffer, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Je mets le sucre dedans, le jaune d'œuf, et après je tourne. Bon, vas-y, bon, on te regarde faire. Alors, ça s'appelle, les amis, blanchir les jaunes. Voilà, parce que à force de fouetter, les jaunes vont devenir blancs. Voilà. C'est une réaction qui se produit, voilà, comme le sucre. Ah vas-y. Ah par contre il faut tourner énergiquement. Ah vas-y. Alors c'est bien ma louloute là? Ça y est, ils sont blancs? Ouais. Ouais, fais-moi voir un peu. Waouh, ouais. Alors regardez les amis, c'est bien blanc. Ah ouais, tu vas mettre le... Ben, attends, je vais t'aider ma chérie. Donne. Hop là. Voilà, alors regardez les amis, ça s'appelle blanchir les jaunes, voilà, ils sont devenus presque blancs. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mettre la farine, waouh. Tout d'un coup? Bah ouais. Ouais, bon bah tout d'un coup alors. Regardez, ça fait une montagne. Ça fait une montagne. Alors ma voix est toujours pas revenue encore, hein, vous l'aurez constaté, hein. Oh, il y a de la neige. Il y a de la neige. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je touille avec ça. Tu touilles avec la marise. Ok. Alors, il faut bien incorporer la farine et ça va faire quelque chose qui va coller. Est-ce qu'après, on va faire avec les mains? Non, on va pas faire avec les mains pour celle-là. Non.
coup les amis, j'ai rejoint CN parce que je vais l'aider. Alors maintenant que ça fait une pâte très très... Ah, ça volait derrière. Maintenant que ça fait une pâte très très épaisse, comme vous pouvez voir, on va mettre un petit peu de lait chaud à l'intérieur. Après on va remettre le reste sur le feu. Donc alors attends, déjà on va enlever la spatule. Hop. Est-ce qu'il va falloir fouetter. Hop. Voilà. On peut l'enlever ça. On peut l'enlever, voilà. Tiens, de côté. Et puis on va récupérer le fouet. Donc là on va mettre un petit peu de lait chaud. Donc ne pas faire sans un adulte. Voilà. Hop, on a mis un peu de lait chaud. On remue. Pour délayer tout ça. On remue. On remue bien. Alors vas-y. C'est dur, hein. Faut les muscles, hein. Faut faire les muscles. Hein. Ah, ils sont parfaits. Alors on va essayer de délayer tout ça. Donc voilà, ça fait n'importe c'est quoi. Ça quelque chose. Donc on va essayer de le délayer, ma louloute. Et puis ça, je vais aller le remettre sur le feu pendant que toi tu remues. D'accord? Ouais. D'accord. Ah. Alors c'est bon, il n'y a plus de grumeaux dedans? Si. Si, t'es sûre? Fais voir. Non, des jupilles. Alors il faut qu'il n'y ait plus le grumeau à l'intérieur. Donc fais voir cette pâte. On dirait une pâte à crêpes, un peu comme elle est épaisse. Voilà. Alors ça, on va le mettre dans le lait. Non. Oui, si tu veux. On va mettre ça dans le lait pour le faire épaissir. Bon, alors ça va se passer de l'autre côté de la cuisine. Alors les amis, voilà, j'ai transvasé la préparation dans le lait chaud. J'ai attendu en remuant bien sûr une petite 5-10 minutes maximum. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne un mélange très épais. Donc ça, il y a Océane qui rigole à côté. Donc ça donne un mélange très très épais, un peu comme une béchamel. Alors tout ça, on va le mettre dans un saladier. Et on va remuer de temps en temps pour éviter que ça forme une pellicule pendant que ça refroidit. Et on va repasser à l'étape suivante. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, ma louloute? Je vais étaler la paille feuilletée. Et aussi, après, je vais faire des petits trous là. Bon, vas-y, moi, on te regarde faire. On étale tout ça, les deux pailles feuilletées, et on fait les trous. Moi, je ne sais pas comment on plie la paille feuilletée, donc tu m'aideras comme d'habitude. Oui, je t'adore, ma chérie. Alors c'est vrai que on va piquer mais beaucoup la pâte feuilletée pour éviter quoi? Qu'elle ça accroche. Voilà, qu'elle gonfle, tout simplement. Vas-y. Est-ce que tu veux que je t'aide à la déplier? Attends, je vais déjà essayer. Ça y est, c'est déroulé, ma chérie? Oui. Oui? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire des petits trous. Bon, vas-y. Alors, si vous n'avez pas de pique-pâte, parce que Sam utilise un pique-pâte qui est un outil donc professionnel, vous pouvez utiliser une fourchette. Une fourchette, voilà. Alors là, on va piquer de partout la pâte, bien, pour éviter qu'elle gonfle de trop. Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit trop épaisse. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ma chérie? Maintenant, je vais mettre du sucre. Et on va mettre un petit peu de sucre dessus pour que ce soit bien doré, croustillant et puis plus gourmand. Ah bah vas-y, parsème-moi tout ça de sucre. On va mettre une fine couche de sucre, hein. On va pas sucrer entièrement comme une crêpe. Hein. C'est vraiment pour faire ce petit aspect croustillant. Ah maintenant, on va enfourner. Ben, on va mettre ça au four. Alors, combien de minutes? 30 minutes à 160 degrés. Et puis ça, c'est un grand qui le fait. Ouais. Eh oui. Avec moi. Avec toi. Alors maintenant, elle est cuite la pâte? Ben ouais. Alors qu'est-ce que ça donne? Pourquoi elle est coupée? Parce que c'est comme ça en mille-feuilles. Eh oui, parce que maman, elle a coupé la pâte, alors j'ai coupé deux grands rectangles et après deux petits rectangles parce qu'on va devoir les poser dessus. Donc deux petits rectangles, un là, un là-bas, qu'on va poser dessus. Mais on va vous montrer ça. Par exemple, on va poser celui-là dessus, celui-là. Donc pas tout à fait, mais bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, ma louloute? Alors je vais prendre ça, je vais le mettre dessus et après je vais mettre un petit peu de la crème pâtissière dessus, ça. Ok, bon, on va faire ça. Alors par contre, on va débarrasser un petit peu parce qu'il y en a deux partout.
Alors on fait bien attention, les amis, de poser délicatement. Parce que ça peut se casser. Et oui, ça peut se casser, c'est très fragile. Et ça sent la galette. Ça sent la galette, oui, parce que c'est de la pâte feuilletée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais mettre de la crème dessus comme ça. Alors notre crème pâtissière qui a bien refroidi. Oh, on dirait un caca. On dirait un caca. N'importe quoi. Bah vas-y, bah, je te laisse faire. Allez, vas-y, va mettre dessus. C'est tout mou. Ah, tu peux t'aider tes doigts si tu veux, tu sais. Et sans les mettre à la bouche après. Ouais. Voilà, tu peux en mettre encore pas mal. Parce qu'il va falloir étaler. Hop là. Alors les amis, je suis venue à la rescousse d'Océane parce que c'est un peu compliqué. Donc comme vous voyez, on a mis quand même une couche assez épaisse. On a tout recouvert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, ma pépette? On va prendre ceci et on va les mettre ici et ici. Donc on va prendre les deux plus petites. Hop, donc vas-y, donc tu vas coller sur le bord. Hop. Et je vais prendre l'autre. Alors voyons, triche un peu parce que nos pattes étaient rondes. Alors celle-là, on la met de côté. Voilà, et on s'attaque à la deuxième. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre... Ça fait un rectangle. Vous pouvez prendre trois pattes feuilletées. Ça fait un rectangle. Oui, ça fait un rectangle. Donc vous pouvez prendre trois pattes feuilletées. Ou alors vous pouvez prendre de la pâte feuilletée rectangle. Ou vous pouvez mettre très bien... pas les couper et mettre une et après sur l'autre. Donc voilà. Donc nous on a fait comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va remettre dessus? Mais ça. Bah, de la crème. Bah, oui. Bah oui, de la crème. Et après ça. Et après ça. Et les reviens avec du coup parce que j'ai soif. Océane avait soif. Ouais. Tiens. Hop. Alors ça y est, les amis, on a mis la deuxième couche de crème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Lout? Je vais mettre ça. Waouh, on va mettre ça dessus, on va recouvrir avec peut-être le côté le plus plat. Voilà, comme ça, vas-y. Et on recouvre la dernière couche. C'est le gâteau de papa préféré. Et oui, c'est son gâteau préféré. Alors, c'est pour ça qu'on il fait pour son anniversaire. Donc voilà, est-ce qu'il est fini? Eh ben non. Et ben non. Et il y a de la farine à rouler. Oh, alors ce n'est pas de la farine. Hein. Maintenant, on va procéder à un glaçage. Donc, vous prenez du sucre glace, un petit peu d'eau, et au fur et à mesure, on va verser de l'eau dedans. Vas-y. Et on va remuer. Et ça, ça va servir à faire tout blanc sur le gâteau. Vas-y, remue. Et vous connaissez un mille chocolat comme gâteau? Mille chocolats? Oui. Non. Alors vas-y, remue bien. Ça va faire une espèce de petite pâte. Alors les amis, allez-y mollo avec l'eau. Il y a Rocky qui mange les miettes. Alors allez-y mollo avec l'eau. Hein. Vous mettez un petit peu par un petit peu. Et puis si c'est trop liquide, on rajoute quoi? Du sucre glace. Et si c'est trop épais, on rajoute de... la farine. Et de l'eau. Voilà les amis, c'est bon, c'est prêt. Waouh, regardez, c'est un peu épais, c'est bien blanc. On dirait de la colle. On dirait de la colle, tout à fait. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça, tu en mets sur le gâteau. Allez, vas-y. Hop. À tes gauchères, pardon. Océane est gauchère. Donc, on va faire l'inverse. Voilà. Vas-y, tu recouvres dessus, juste dessus. Voilà, ça va faire... très joli. Dessus, encore, mon loulou. Ma louloute, oh. Pff. Attention. Alors, les amis, on a pris notre chocolat. Alors, je l'ai mis dans un film alimentaire. Voilà. Donc, et puis, on l'a fait fondre. Je l'ai fait fondre dans une tasse d'eau. Parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce film. On va faire un minuscule trou pour pouvoir faire des traits dessus. D'accord? Alors là, c'est le moment le plus délicat. Hop, on va chasser un peu l'air et on y va. Donc, on va faire des lignes, des grandes lignes, hop là, sur le gâteau.
C'est comme le gâteau, maman. C'est pas grave, les amis. Maman, c'est comme le gâteau, tu sais, là. Oui. Mamie Minique, elle m'a donné le coffret de gâteau, là. Tout à fait. C'est comme les autres gâteaux. On dessine, en fait. C'est le même chocolat. Voilà, les amis. C'est beau, hein. Mmh. Maintenant, on va faire de la magie. J'ai peut-être du chocolat. J'ai goûté le chocolat. Je connais alors, ces regardez gâteaux. Ce qu'on va faire. On va prendre... Je connais ce gâteau. Juste la pointe du couteau, regardez. En fait, pas ça tout seul, les amis. Je connais ce gâteau. Voilà. Et là, on y va. Dans l'autre sens. Et là. Et regardez. C'est magique, hein. Océane, est-ce qu'il te plaît ce gâteau? Est-ce qu'il a l'air bon? En tous les cas, la crème, elle a l'air bonne, à ce que je vois. Océane est en train de se régaler. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà, un super millefeuille. Alors, c'est vraiment pas compliqué, les amis, à faire. Vous voyez, on a fait vraiment la recette la plus rapide qu'on puisse faire. Normalement, il faut faire la pâte feuilletée soi-même, mais c'est très, très long. Bon, la plus rapide du monde, comme dit Océane. Alors, par contre, on va pas déguster le gâteau en vidéo parce que c'est l'anniversaire de papa. Et voilà, et comme c'est une surprise pour lui, on va pas manger son gâteau quand même. Hein. Bah ouais, parce que lui, c'est son gâteau préféré. Et oui, c'est son gâteau préféré, donc on va pas lui manger. Maman, on va le mettre au frais aussi. Oui. On pourrait couper comme ça des carrés. Oui, mais on coupera ça quand on mangera. Ouais. Ça en famille, on va le manger en famille. Alors, les petits amis, bah, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Dites-nous si vous avez d'autres recettes, même si vous avez déjà essayé de faire des millefeuilles. Si vous allez faire cette recette, dites-nous-le. Si vous avez déjà essayé de faire des mille chocolats. Des mille chocolats. Alors dites-nous si vous connaissez la recette des mille chocolats, parce que moi, je ne connais pas personne. Moi, je connais. Alors, Océane connaît. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, nous, on va mettre ce gâteau au frigo pour que le glaçage prenne bien. Voilà, pour qu'il se consolide un peu, parce qu'il est un peu instable. C'est normal, il faut mettre ça au frais pour que la crème pâtissière prenne bien froid. Et puis, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit... pouce vers le haut. Et puis, ben, si ce n'est pas déjà fait... abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous dit... ciao, ciao. Et on vous fait des gros bisous gourmands, les amis. Bisous. Mouah. Bisous, crème. Bisous à la crème.